Mais nul, toi, tu vas voir, je vais te finir, toi, sur la vie de ma mère. Tu vas pas faire long feu. Bonsoir, Ada, les amis. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères, les corbillards, qui jouent au billard, les amis. C'est la dégoûtada, c'est la match de merdada, c'est la Alexis Sanchezada, oula. On a fait match nul contre des nuls. On fait match nul contre Brest, les gars. Brest, c'est grave, les amis. Oula, palmarès de Brest. On est passé à la télé le dimanche soir. Oula, c'est la première fois qu'ils passent à la télé. Ce club de merde qui a aucun palmarès. Tonnerre de Brest, tonnerre d'applaudissements pour leur but aussi. Il a même pas fait exprès le joueur. Mais oula, je suis dégoûté, les gars. Dégoûté, la vie de ma mère. C'est grave, grave d'être nul comme ça. Pourquoi tu fais pas jouer Suarez? Tu fais pas jouer Suarez. Tu passes une mauvaise Suarez. Et on a passé une mauvaise Suarez. Voilà. Igor, tu dors, t'es endormi. Suarez, il t'a réveillé. Il t'a mis un doublé. Et tu le fais redoubler. Tu le traites comme un redoublant, comme une merde. Comme une pauvre tâche. Alors qu'il a tout donné au premier match. Il doit mettre combien de buts pour jouer? 50 buts dans le match. Espèce de naze. Oula, c'est un truc de fou, ce Pep Guardiola de Wish. Les gars, Igor Tudor, c'est un clone raté de Pep Guardiola. Oula, les gars, je comprends pas. Et bien sûr, c'est l'arrivée de Alexis Sanchez. Mais faut dire la vérité, les gars, il m'a déçu. Je sais que c'est le premier match. Mais Alexis Sanchez, c'était Alexis Sanchez. Oula, les gars, il avait pas de chaise. Il savait pas où se mettre sur le terrain. Dites-moi, est-ce que c'est normal? On a Jonathan Clause, qui est le nouveau David Beckham, qui a un pied droit incroyable. Pourquoi Jonathan Clause, il tire pas les corners? Et pourquoi Sanchez? Pourquoi tu tires les corners? C'est pas pour ça qu'on t'a acheté. Commence pas à faire ton Mbappé, à vouloir tout tirer. Les 6 mètres, les coups francs, les corners. Va au point de penalty et prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités, Sanchez. La vie de ma mère, tu me dégoûtes, Sanchez. Voilà. Pourquoi tu tires les corners? Tout le match, t'as joué défenseur. Je veux pas dire que t'as bien joué. T'as touché 3 ballons. Oula, un milieu défensif. Est-ce qu'on a acheté Alexis Sanchez ou est-ce qu'on a acheté Renato Sanchez? Parce que le Sanchez que j'ai vu ce soir, il joue en défense. Il joue milieu défensif. Et c'est la vérité. Donc Sanchez, tu vas prendre tes responsabilités. T'es pas à Marseille pour prendre des sous, mais des responsabilités. Toute ta vie, tu t'es sacrifié pour les autres joueurs. C'est à cause de ça que tu as des statistiques de merde. Mais à l'OM, ça va changer. C'est pas toi qui vas jouer pour les autres. C'est les autres qui vont jouer pour toi pour une fois. T'es notre meneur, t'es notre élu, Sanchez. T'es l'élu. T'es Néo dans Matrice. Alors va au point de penalty sur les corners. Parce que tu dois être à l'arrivée, pas au départ. Arrête de te cacher derrière des corners, des coups francs. Je te vois venir, toi, espèce d'escroc. Oula. On a des joueurs qui prennent pas leurs responsabilités. Et on va parler de Dimitri Payet. C'est 10 ballons Payet. Oula, les gars, c'est pas une blague, c'est pas une rime. C'est des vraies statistiques. Il est resté statique. Oula, une statue, une boule. La première statue obèse que je vois de ma vie. T'as pris 40 kilos en 40 jours. Je comprends pas. T'as fait quoi cet été? Mais t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Payet? T'as gonflé. Oula, qu'il a gonflé comme une bouée. Espèce de bouée humaine qui est nulle comme Fabrice Eboué et qui travaille comme éboueur. C'est un truc de malade, ça. C'est un truc de malade. On a tout pour gagner, tout pour réussir. T'as des joueurs, ils sont fatigués. La deuxième journée contre Brest, j'ai l'impression, voilà, que c'était Manchester City. Oh, c'est, oh, voilà, c'est, on s'en sort bien avec un match nul. Bande de nuls en pleine canicule. C'est un truc de fou, les gars. Oh, Payet, les gars, pour vous dire, hein.
Est-ce que c'est normal? Il rentre sur le terrain et pour la deuxième fois consécutif, il refuse le brassard de capitaine. Mais tu crois, on te demande ton avis? Ça en dit long, les gars. Le premier match était symbolique. Oula, mais le deuxième match, les gars, il refuse le brassard. C'est un aveu, les gars. Oula, c'est un aveu. Oh, le brassard, tu le veux pas? C'est un aveu, je suis désolé. Oula, donc Payet, il s'en fout du brassard. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les papis brossards. C'est que les gâteaux, les chocolats. Parce que t'as pris 100 kilos et la vie de ma mère, c'est vrai, et je te vois à l'œil. Tu gonfles à la minute, t'es là. Je t'ai pas vu accélérer une fois. 10 ballons, Payet, t'as touché 10 ballons. Remets-toi en question. Ne crois pas que tu vas te faire une retraite dorée à Marseille. Oh, il a dit quoi il y a 2 semaines? Ouais, parler de Payet, ça fait vendre. Payet, on va le vendre. Wallah, on va le vendre. Et l'autre, la Kolasinac, toi, on va pas te vendre, on va te donner. On va pas te mettre dans la liste des joueurs à vendre, mais dans la liste des joueurs à donner. Et tu seras le seul de cette liste, il n'y aura que toi. Kolasinac, t'es nul. Comment tu te retrouves hors jeu, sale nul? La vie de ma mère, c'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. Oh les gars, on était sur une série d'invincibilité de un match consécutif. Voilà les gars, on fait que des séries de un match. Jamais on peut rêver. Oh, deuxième journée déjà. Déjà ça commence. Ça commence des contre-performances. Voilà les gars. Ah, c'est un truc de fou. Ce mois d'août, il me dégoûte. Voilà, Guendouzi, bien joué. Tavares, bien joué. Le reste, nul. Jonathan Clauss, t'es fort, mais t'as pas de caractère. T'as peur. T'as peur, espèce de peureux de merde. Flipette. Flipounette. Espèce de chouchinette que t'es de merde. Oh, Belaïli, t'as fait pssst. Oh, t'es parti, t'as jeté le ballon en corner. Sale nul. Sale nul. Sale nul, Jonathan Clauss. La vie de ma mère, t'as peur. T'as peur. Tu vas te réveiller, toi aussi. Voilà. Eh, je suis under, les gars, mais endormi. Voilà, endormi. Oh, une séance d'hypnose. Voilà, un somnifère, tu le vois jouer. Oh, il est là, oh, espèce de petit pain bagnat. Oh, t'es nul. Under, nul. C'était plus under, c'était 3/4 d'heure. Voilà, 3 Kinder. 3 Kinder aussi, voilà. Tu ne vaux pas un Kinder, nul à chier. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je sais pas. Gerson, nul. Under, nul. Voilà, Payet, nul. Milik, voilà un combattant UFC, les gars. Voilà un combattant UFC. Au coup de coude, bam, Nganou. Et casse-toi. Casse-toi, toi aussi. Et ramenez-nous Bamba Dieng. Voilà, Bamba Dieng. Des Alexis Sanchez qui assume pas. Voilà, tu assumes pas, Sanchez. Mais tu vas venir ici. En plus, j'ai vu tes déclarations. On m'a dit que Marseille était le plus grand club. Quoi, on t'a dit? Quoi, on t'a dit? Genre, tu connaissais pas Marseille, sale menteur. Vas-y, toi, avec tes 5 buts par an, par saison, ça va changer à l'OM. On a besoin de toi, d'accord? Donc, tu vas nous ramener, tu vas nous faire passer les poules, tu vas nous faire passer les 8e. Et on va vivre une saison historique avec toi, Sanchez. Voilà, oh, son numéro 70, c'est son âge. Il a 70 piges, je comprends pas. Voilà, défenseur, t'étais, Sanchez. La vie de ma mère. Voilà, en plus, je suis dégoûté, j'avais pris des gâteaux. J'avais pris des Paris-Brest. Oh là, les gars, des pâtisseries. Paris-Brest, Brest et des pâtisseries. Regardez-moi ça, les gars. Oh là, j'ai plus d'appétit. Je vous dis la vérité, j'ai plus faim. Le but, là. En plus, les gars, il y a eu la triche hein, à Brest. Faut dire la vérité. Le ballon n'était pas sur la ligne de corner. D'accord? Donc, le match, faut le rejouer. Oh là, faut le rejouer. Je vais lancer une pétition. Bande de tricheurs. Et en plus, il y a Belaïli à Brest. Belaïli, t'as subi une injustice face au Cameroun. Tu sais ce que c'est de se faire voler. Hein? D'accord? Tu sais ce que c'est de se faire voler. Et ça nous met des reprises de voler, ça, après ça se dit frère Belaïli, j'oublierai pas, voilà, j'oublierai pas, allez, Paris-Brest annulé, voilà, ils m'ont coupé la petite, voilà, 11 Emmanuel Petit, nul, le gardien de l'OM, voilà, Squid Game, il jouait à 1, 2, 3 soleil, sur place, il est resté sur la frappe, ce fils de gardien qui garde rien, qui regarde l'ange gardien.